aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais un fromage d'une façon très simple, un fromage qui se mange dans la semaine ou qu'on peut mettre un bocal comme ça avec de l'huile d'olive et des herbes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'on peut garder facilement un mois. C'est un fromage que tout le monde peut réaliser. C'est un des premiers fromages que j'ai fait. C'est un fromage que vous pouvez faire avec ce que vous avez dans votre cuisine. Très simple. Je vous montre tout de suite. Pour faire du fromage, il faut du matériel bien propre. Alors la première chose que je fais, je mets à stériliser tout mon matériel, c'est-à-dire la gaze, une passoire et une louche que j'aurai besoin tout à l'heure. Je laisse ça bouillir 15 minutes. Après 15 minutes, je vais déplier, j'attends une minute que ça refroidisse un peu, parce que je ne veux pas me brûler. Froid. Je prépare ma gaze. Voilà, pour mettre mon fromage tout à l'heure. Là, tout est prêt. Et maintenant, dans une casserole, je vais utiliser aujourd'hui 4 litres de lait. C'est du lait pasteurisé, parce qu'en Suisse, du lait cru, on ne trouve pas. C'est interdit à la vente. Et le lait UHT, ça ne fonctionne pas. Il faut du lait pasteurisé. Et comme vous pouvez voir, du 3,5%. Je ne sais pas si vous voyez bien là. 3,5% de matière grasse. Plus il y a de matière grasse dans le lait, plus vous aurez de fromage. Si vous avez un petit reste de crème, eh bien vous pouvez aussi le mettre dedans. Hein? Alors je vais mettre mes 4 litres et je vais monter ça à 90 degrés Celsius. On se retrouve tout à l'heure que c'est à 90 degrés. Je remue de temps en temps mon lait pour pas qu'il brûle au fond, pour lui donner un mouvement. Et comme ça jusqu'à ce qu'il atteigne les 90, les 90 degrés Celsius. Mon lait est maintenant à la température voulue, c'est-à-dire 90 degrés, 90 pour la France, degrés Celsius. Je peux arrêter mon feu. J'enlève le thermomètre et je vais y mettre déjà 3 cuillères à café de vinaigre blanc. Et je brasse gentiment. Comme ça. Et on voit qu'il commence à y avoir une petite séparation. Je vais en remettre encore une. Continue à bien brasser comme ça. Allez, de bas en haut, on voit qu'il y a déjà des grumeaux. Je vais en mettre encore une. Et on va en mettre plusieurs comme ça, les unes derrière les autres. Jusqu'à ce qu'on voit bien la séparation, c'est-à-dire que le petit lait va devenir un peu translucide. Pour l'instant, c'est toujours blanc, c'est pas encore ça. On continue à brasser gentiment. On en remet encore une. Il va en falloir encore plusieurs, hein? Mais on y va gentiment. Voilà. On continue. Bien
mélanger. On voit que ça commence à devenir plus épais. J'en mets encore. J'y vais doucement avec le vinaigre parce qu'il faut pas qu'il y en ait trop quand même. Il faut pas que ça ait un goût de vinaigre à la fin. Hein? C'est pour ça que j'y vais progressivement. Là, ça va faire, je pense, l'équivalent d'une tasse de vinaigre. Une petite tasse à café de vinaigre au total. On voit que le liquide commence à changer de couleur. On tire sur le côté, là, pour voir. Ouais, on voit, ça change de couleur. Mais c'est pas encore ça. Ça vient, hein? On rajoute encore un petit peu. Voilà. Je continue à faire des mouvements pas trop brusques. On voit que ça vient bien là. Il faut y aller délicatement, hein. Le fromage, c'est un travail de patience. Voilà. Là, ça vient pas mal. Je vais en mettre une dernière. Voilà. Pour être sûr que tout se sépare bien. Une fois que j'ai bien mélangé comme ça, maintenant je vais un couvercle pour mettre là-dessus et laisser ça reposer 10 minutes. On se retrouve dans 10 minutes. Sont passées et on peut constater qui, tous les grumeaux se sont bien rassemblés. Et maintenant, on va mettre ça dans notre filtre à l'aide d'une louche. Là, il faut faire très attention parce que c'est vraiment très chaud. Hein. J'y vais progressivement là. Je sors tout mon cahier gentiment. Que j'arrive, il me reste plus trop là, je vais verser ma casserole, mais encore une fois, faites très attention, hein. C'est très très chaud. Pas gicler pour vous brûler, hein. Voilà, je tire vraiment tout. Je laisse une ou deux, quelques secondes égoutter. Là-dessus, je vais mettre un peu de sel.
l'équivalent d'une cuillère à café. Je vais le mélanger un petit peu. Voilà. Je rassemble les coins là. Pour les goûter. Encore un peu. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez très bien mettre un poids là-dessus. Un poids quelconque là-dessus. Pour sortir encore l'humidité. Moi j'ai un moule, je vais vous montrer ce que ça fait. Je fais assez souvent, alors je me suis procuré un moule comme ça. Mais autrement, vous pouvez très bien prendre un cercle à biscuits comme ça. Et vous prenez un morceau de plastique, là c'est un dessus de gogoblin yogourt aussi. Ça fait aussi très bien l'affaire. Disons que ce qu'il faut maintenant, c'est bien tirer la gaze. Pas que ça fasse trop de plis après. Donc je le tire comme ça et là-dessus je vais mettre ça là-dedans pour éviter les accidents et je vais mettre deux grosses boîtes de conserve dessus, voilà. Et je vais attendre 20 minutes. On se retrouve dans 20 minutes pour continuer. Ça fait maintenant 20 minutes que c'est là-dedans. Je vais simplement tourner mon fromage. Je le sors du moule. Et pour éviter qu'il y ait trop de grumeaux dedans, je le tourne tout simplement. Et je le remets dans le moule. Hop là. Voilà. Bien, vous voyez comment je fais. Je tire bien le coton là pour pas qu'il y ait un minimum de plis. Voilà, et je vais remettre mes deux boîtes et on va laisser ça maintenant 40 minutes. On se retrouve dans 40 minutes. Et voilà, les 40 minutes sont passées. Je vais sortir mon fromage. Et je vais le mettre dans un plat. Il est encore tiède. Je vais le couvrir d'un sel et le mettre au frigo jusqu'à demain. Et je vais le manger dans la semaine. Ça se mange, ouais, ça se garde facilement une semaine. Ça n'a pas trop de goût, mais c'est pas mal. Demain, je vous montre ce que ça donne à la cour. Et un jour, passer au frigo. Donc ça donnait bien de l'humidité. Je sors mon fromage et je vais le couper. Il est bien ferme. Pour vous montrer ce que ça fait. Et voilà. Donc vous pouvez garder ça une semaine facilement. Ça c'est une façon très simple de faire un fromage. Vous pouvez par exemple faire des petits cubes pour mettre dans une salade, ça va très bien. Ça n'a pas trop de goût, mais c'est quand même bon, accompagné de quelque chose.
ça peut être très bien pour une première. Voilà par exemple une petite salade où j'ai mis quelques petits cubes de fromage. Il ne me reste plus qu'à mettre une vinaigrette dessus et me mettre. Vous pouvez aussi également comme moi faire des petits carrés, des petits cubes, mettre dans un bocal avec des herbes que vous aimez, et puis couvert d'huile d'olive, vous laissez reposer ça un mois au frigo, et je vous assure que dans une salade, ça va être impeccable. Je vous souhaite d'en faire autant, et un bon appétit, à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.